Vravoutis a une longue histoire à Sylvanès. On vient depuis, je pense, bien 20 ans, si pas plus. On vient animer des stages régulièrement et faire des concerts. À la fin du stage qu'on a donné, un groupe qui s'appelle donc La Main Harmonique, dirigé par Frédéric Betous, est venu donner un concert Gesualdo Marceau, avec des pièces qui ont été commandées par l'ensemble autour du répertoire de Gesualdo et notamment des canzonettes sacrées. En sortant du concert, Michel est venu me voir en me disant « Mais est-ce que tu as déjà écrit un Stabat Mater ?» Quoi, je lui ai répondu que non. Et l'idée lui est venue immédiatement d'un titre « Femme au tombeau ». Et ça a vraiment fait écho tout de suite pour moi. Mon imaginaire s'est mis en route, notamment dans des lieux comme ça, porteurs d'histoire et de spiritualité. Le répertoire médiéval, c'est quand même 600 ans de musique. Donc ça fait quand même beaucoup de choses sur le sujet, qui sont toutes plus belles les unes que les autres, au moins sur le sujet de la crucifixion ou de la résurrection. Et sur le sujet des femmes, évidemment, c'est en plus déjà à l'époque un sujet non pas tabou, mais problématique. On n'a pas voulu vraiment jouer justement le jeu liturgique. On a pris des extraits qui nous semblaient intéressants pour faire avancer la pensée pendant le concert. On n'a pas voulu en faire un jeu à proprement parler, c'est-à-dire un opéra de type médiéval. Là, on a cinq femmes qui tantôt prennent des rôles, tantôt se fondent et on fait un rôle à trois, à quatre ou à cinq. Et on joue, on dit un texte, on le dit toutes ensemble et comme s'il était d'une voix. Parti au départ sur un jeu liturgique qu'on allait entrecouper, puis on est parti sur des organas, puis on est parti dans tous les sens, ce qui a été bien en fait, parce que ça nous a permis de très très vite élaguer, de venir de 3 heures de musique à 40 minutes de musique, plus les 20 minutes de Caroline pour faire une heure, et puis on en a rajouté quand même un petit peu, parce qu'il y a des choses dont on veut pas se séparer. Alors, ce que Elsa fait, c'est vraiment essayer de faire la part belle dans ce répertoire à un maximum de formes différentes. Donc on a effectivement des organums, on a des monodies qui sont très importantes, on a des pièces polyphoniques à 2, 3 et 4 voix. Motet, conduit, une pièce contemporaine d'un autre compositeur contemporain, Ivan Moody, dont on avait déjà créé d'autres pièces et qu'on aime beaucoup, un troparion, et qui s'insère en fait très très bien dans cette même mouvance. Donc voilà, là on a un concert d'une heure 10, avec de très très belles choses.